Jean-Pierre Beltoise, il a déjà représenté pour moi le renouveau du sport automobile en France. Il faut rappeler que au moment où il a abandonné la moto de compétition pour se lancer sur quatre roues, je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait ni école de pilotage ni karting pour débuter dans la compétition, il n'y avait que la moto. Il s'est débrouillé à le faire avec beaucoup de talent. Et ça a aidé considérablement cette espèce de désert qui s'était créé en France sur le sport automobile. Il faut rappeler que quand Jean-Pierre a débuté dans les années 63 et 64 sur quatre roues, il y avait la dernière victoire en sport automobile d'un Français était celle de Maurice Trintignant en 1958 à Monaco. Donc Jean-Pierre, il nous a beaucoup aidé là-dessus. Et je veux dire, quand je dis nous parce qu'il a déclenché toute une génération de pilotes, des écoles de pilotes, le karting, les pilotes modernes, et puis nous, les médias également. C'est que quand il a été question de créer Autoplus, eh bien, il a été là dès le premier numéro. Alors, pour ceux qui aiment la course automobile, naturellement, Jean-Pierre, c'est le Grand Prix de Monaco 1972, sous la pluie, où il était éblouissant, et il est venu à bout des Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, et Jackie X, qui étaient les cadors de l'époque. Il y a eu également toute l'épopée Matra et ce célèbre Tour de France où il a fait résonner le 12 cylindres Matra sur 4000 et quelques kilomètres en France et qui a été un succès absolument étourdissant. Et puis, je veux dire aussi que au-delà du sport automobile, il a été l'homme d'un combat, et c'est curieux de le dire, mais le combat de la sécurité routière. Car avant lui, on faisait peu de cas de ce qu'on pouvait gagner sur le plan de la sécurité. Il y avait le code de la route et point. Tandis que Jean-Pierre, il a lancé autour d'un slogan qui était « conduire juste », une espèce d'approche de la conduite automobile de tous les jours et de la circulation automobile. Conduire juste, ça a été une véritable avancée dans le domaine de la sécurité, et c'est comme ça qu'on devra également se souvenir du grand bonhomme qu'il a été.